Suite, quatrième vidéo, sur les symptômes. Avez-vous trouvé récemment des éléments bizarres, boules de poils, œufs, chez vous ou sur votre lieu de travail? Éprouvez-vous de l'attirance pour une personne qui, normalement, vous indiffère complètement? Avez-vous profané une tombe ou un lieu sacré comme une église? Avez-vous la sensation d'être mal dans sa peau en entrant dans une église? Envie de sortir, de ne pas supporter, comme une angoisse, une boule qui vous vient. Les meubles craquent-ils anormalement chez vous? Avez-vous des relations proches, une personne qui pratique le vaudou ou la magie noire? Les locataires précédents de votre maison ou votre appartement ont-ils eu de graves problèmes de santé? Avez-vous depuis peu des désirs ou des fantasmes inconvenants? Entendez-vous parfois dans votre maison des bruits insolites, des coups, des portes qui claquent, sans raison? Possédez-vous des poupées ou marionnettes de collection? Pratiquez-vous vous-même la magie, même blanche? Avez-vous des cauchemars répétés en relation avec la mort ou la sexualité? Notez-vous un changement dans vos habitudes alimentaires? Des accidents ou accrochages en voiture surviennent-ils avec une fréquence anormale? Constatez-vous des pannes de machines non expliquées, téléviseurs, ordinateurs, appareils ménagers, des ampoules qui claquent? Avez-vous des pertes de mémoire sans raison médicale? Des désagréments ou des drames affectifs ou professionnels s'enchaînent-ils avec régularité? Avez-vous des réactions hostiles vis-à-vis de personnes avec qui vous entreteniez habituellement des relations de courtoisie? Notez-vous l'apparition de marques sur votre corps comme des griffures? Constatez-vous de la désaffection de votre clientèle? Je parle pour les commerçants ou les professions libérales. Accusez-vous des portes d'argent répétées et inexplicables? Votre animal domestique est-il malade ou refuse-t-il vos caresses? Avez-vous des annulations de rendez-vous importants sans raison valable? Ressentez-vous des perturbations récentes de la digestion ou du transit intestinal? Avez-vous fait l'expérience de jouer aux esprits avec des tables Ouija? Avez-vous une aversion complète contre tout ce qui est religion, eau bénite, sacrement, etc.?